des trésors transformés en vipères. Les gens de la bourgade de la Presita, dans l'état de San Luis Potosi, au Mexique. Les gens de Lu, par Cécile Belluard. C'est ici, en ce lieu, que l'on a cherché des trésors et que l'on a fouillé de toutes parts, avant qu'on ne parle de l'existence d'une outre, faite avec la panse d'un taureau et emplie de pièces d'or, explique Rosalia Carrizales Huerta. Un jour, des personnes sont venues avec un appareil et ont fouillé le secteur presque toute la nuit sans rien trouver. On parle ici de gens qui auraient trouvé de l'argent et s'en seraient allés vivre grâce à lui à Monterrey ou aux États-Unis. Mon arrière-grand-père, José Estrada, abandonna sa femme et s'enfuit avec une autre à Reynosa. Là, il y acheta une maison, mais comme il était apparemment parti sans rien, ses proches ont alors cru qu'il avait trouvé un trésor et qu'il s'en était allé avec. Un jour, nous sommes tombés sur une grosse vipère, une vipère vraiment très grande avec des yeux ronds qui brillaient d'une horrible façon. On raconte que cet éclat provient de l'argent ensorcelé parce qu'autrefois les grands propriétaires terriens, les riches, cachaient leur argent dans des pots de vipères, les cousaient puis les enterraient. C'est pour cela que maintenant on voit de telles vipères. Elles sont ensorcelées. On dit que pour désensorceler une vipère, qui est en réalité un trésor, il faut agiter un chapeau parce qu'un chapeau, ou un couvre-chef, ressemble à la couronne du Christ et que lorsque cela tombe sur l'animal, celui-ci retrouve son initiale nature. À moins que l'enchantement ne le quitte et que seule subsiste la peau de la vipère remplie d'argent. Cette très grande vipère a été vue en divers endroits ici sur les vieux murs de la hacienda. Elle est si grande qu'elle ne peut être réelle. Tous ceux qui l'ont vue s'en vont chercher quelqu'un pour les aider. Et lorsqu'ils reviennent à l'endroit où se trouve l'animal, celui-ci n'y est déjà plus. Plus curieux encore, plus rien n'indique sa présence ou l'endroit où il se serait caché. N'importe quelle vipère, aussi petite soit-elle, laisse des traces quand elle rompe. Et cette très grande vipère-là, je vous le dis, ne laisse aucune trace. C'est pour cela que nous savons que c'est un sortilège. Cette légende a été publiée dans le livre d'Homero Adame, Haciendas de l'Altiplano, Histoire et légende, tome 2, de l'indépendance à la révolution, et peut être lue sur son blog Mitos y Leyendas de México.